Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et c'est le moment de continuer notre aventure. La dernière fois, on s'est laissé ici. Maintenant, nous devons nous diriger ici, voilà. Oh, je déteste le fait que quand je bouge la manette, ça bouge l'écran du jeu. On va changer ça tout de suite parce que ça m'arrive que lorsque je suis en train de viser avec mon arc, ça, comme ça, ça bouge pour rien. Donc, je crois que c'est ça. Active ou désactive la visée gyroscopique. Voilà, on va tenter le coup. Ok, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est bon. Alors, juste pour être sûr à 100% que je me dirige au bon endroit, je vais ouvrir la map. Et on dirait que je me dirige au mauvais endroit, parce que si, je vais, comme je grimpe sur cette tour, ça va libérer le terrain qui est là. Désolé, le terrain qui est là, ben vous savez de quoi je parle. Ça va pas libérer le terrain qui est là et je vais pas voir tout ce qui se passe, je vais pas voir les routes. Ah, oh, mais en tout cas, je peux pas aller ici, parce qu'il y a trop de lave et ça fait mal aux fesses. Et, oh, attendez, il y a plusieurs gemmes là-bas. Bon. En tout cas, bon, on va continuer notre aventure vers la tour qu'on a vue et qu'on a mis une balise dessus. Et en même temps, on va se baigner dans l'eau chaude pour se régénérer les vies. Regardez en haut à gauche. Magnifique, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi je continue mon aventure vers le même chemin? Parce que je vais peut-être trouver des items qui vont me permettre de résister à la chaleur de la lave. On sait jamais, n'est-ce pas? Et attendez. Merci beaucoup pour cette gem nox. On va détruire ça aussi. Kaboom! Tellement, j'espère que j'en aurai besoin bientôt. Ok, voilà, on va tout prendre, c'est Lex, Gemnox, ok, perfecto. Donc, on va aller ici, et ouais, en gros, c'est ça, let's go. Il me faut plus de lézards ignifus, c'est ça qui va me permettre de résister contre la chaleur. Mais je n'en ai que combien en tout? Je n'en ai que 3, ce n'est pas assez. Non, ce n'est vraiment pas assez, voyons donc. Est-ce que vous voyez des lézards ici? Moi, je vois des poissons. Peut-être que ces poissons vont me permettre de résister contre la chaleur, hein. Attends. Ah! Man! Ah, je l'ai perdu de vue. Fuck that shit. Ah, je vais pas aller à la pêche. J'aurais dû le tuer avec une bombe avant. Mais bon, je vais changer de vêtements. Je vais prendre ceci. Ça va me permettre d'analyser les capacités de mes ennemis. Et là, comme ça, si je vois qu'il y a beaucoup d'HP, moi, je m'en vais d'ici. Bye bye. Tranquille, tranquille. Ah, tabarnak. Je croyais que je pouvais y aller sans problème, mais on dirait que non. Bon, on va prendre ce petit papillon en photo. Comment, comment? Oh, tabarnouche, j'ai déjà zoomé au complet. Fuck that, je vais le prendre en photo plus tard, c'est bon. Oh, je crois qu'ici c'est correct. Ok, voilà ce que je voulais faire depuis le début. Bon, oh mais! Oh! Ah! Oh, ok, attends, peut-être que depuis le début je me dirigeais ici, mais c'est juste que j'ai vu ça comme par hasard. Ah, mon petit Polo. Oh, que t'es silly, mon petit gars. Voyons, attends. Hey, c'est parfait. Let's go. J'espère qu'il n'y a pas de gardien qui va me sauter dessus, hein. Bon, c'est correct. Est-ce que je peux looter quelque chose ici? On dirait que non. Oh! Vous avez vu ça? Oh my god. Oh non. Moi, je veux pas l'affronter. Il y a combien de vies? Je peux pas voir ça. Cours, Polo! Non, ce gars-là, il est trop fort. Fuck that shit, man! J'ai besoin de mon... Ah! Est-ce que vous êtes sérieux? Ce gars-là m'a one-shot! Ok! J'avais 6 cœurs. J'avais bien 6 cœurs. En plus, ils étaient tous pleins. Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis fait one-shot par un laser à la Son Goku. Tchou! Ok, moi là... Oh, en plus, je suis revenu ici! C'est comme si toutes les Gemnox que j'ai pris... Ah, oh, voyons donc, bon, si j'ai besoin de Gemnox là, je vais aller en chercher, c'est pas si grave que ça. Et là, bon, on va juste continuer notre aventure à partir de là. Au secours! Okay, oh! Ah, ça a marché! Non, moi là, je m'en vais pas là-bas. Vous voyez? Non, 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 moi je m'en fous. De la viande. Attends, vous savez quoi? Je l'ai pas pris en photo ce mec là, je pense. Ah bah oui, ok, voilà! Le gardien de tout à l'heure, je vais pas le prendre en photo. Vous croyez vraiment que je vais mourir? Alors, ah, les balises ont disparu, mais je sais que faut que j'escalade cet endroit. Ok, let's go, on y va. Pas le temps de niaiser, n'est-ce pas? Oh, non! 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 Stop! Stop! Arrête! Ok, au moins je l'ai pris en photo, mais... Ce gars-là, yo! Il va pas me laisser tranquille! Oh mon dieu. Ok. Vous savez quoi? Faut que je saute! Oh boy, oh, ah, oh, 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 wow, 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 wow. J'ai presque manqué ça. Attendez, attendez. Ah, ok, on va utiliser une bombe. J'ai pas de masse ou quoi que ce soit pour péter ça. Alors,
Voilà. What's up, baby? Yo, 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 nul de fin, merci pour cette noix corrugue. Ah oui, il y en a plusieurs d'entre vous qui me disent « C'est pas corrugue, c'est corrugue !» Mais, qui vous dit que c'est vraiment corrugue? Peut-être c'est vraiment corrugue. Moi, j'ai jamais entendu une voix qui dit corrugue, en tout cas. Mais bon, en tout cas, c'est juste la prononciation d'un mot, on va pas se chicaner là-dessus, n'est-ce pas? Bon, escalade, escalade. Là, ça me tente tellement de sauter, mais il n'y a pas d'endroit où je peux me reposer, à part si je vais à droite. Et le volcan ici est tellement beau! Ça me tente vraiment d'y aller. J'espère qu'il y a un habit qui va me permettre de sauter dans le volcan. Comme aller plonger dans la lave et nager dans la lave. Ce serait tellement cool! Mais bon, attends, on va regarder autour, voir s'il y a de quoi. My God. Faut avouer que le monde est super beau. Le sanctuaire que j'avais pas trouvé la dernière fois est là. Et là. Oh, il y a tellement de trucs à explorer, hein! Wow! Ok, c'est bon. Bon, on va libérer le truc qu'il y a là, dans, comme sur la tour là. Ça va être Tigidou et... Oh my, bye bye. Ok, c'est bon. Au moins, je ne suis pas tombé. C'est bon. Ah, la tour est là, ok. Bon, je vais faire quelque chose. J'ai quelques balises que je peux utiliser. Oh là, ouais, j'ai envie d'aller là. Je suis sûr qu'il y a un secret. Et peut-être même ici. Il y a sûrement un coffre. Okay. Pour l'instant, je vais mettre des balises comme ça. Et on verra, peut-être que je vais revenir là. Et si vous regardez en haut à gauche, vous pouvez voir que j'ai utilisé quelque chose qui me permet d'augmenter ma vitesse. J'ai mangé de la bouffe qui fait en sorte que je cours plus vite, que je grimpe plus vite, alors... C'est cool, n'est-ce pas? Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi, je vois une différence. Ah. Si je touche ça, est-ce que ça fait mal? Oh, oh! Ok. L'air brûlant. Ok, j'ai compris. Air brûlant. C'est parfait. Wouh! Bon. Ok, attends. Descends ici. J'ai sûrement manqué des tas de trucs là, je sais que je suis pas très très observateur. Si je manque de quoi, n'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires. Polo Polo, t'as manqué ci, t'as manqué ça. Et je vais aller les chercher plus tard. Ok, ça c'est juste la lave, c'est rien d'important, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on va aller en haut et on va sûrement trouver de quoi. Oh my god. Oh fuck. Yes, ok, je l'ai eu. Ça m'a fait peur. Tablette checker reconnue, activation. Je vois la lézard de l'éléphant, oh mon dieu. Génial, ok, c'est cool. Acquisition des données locales. Voilà, on a libéré cet endroit, super. Voyons voir, il y a quoi comme route. What the fuck? La carte de la zone a été enregistrée, mais... Ok, ce ne sont que des montagnes. Wow, des montagnes et des volcans. Non mais, je suis supposé faire quoi? Ok, je vois une route ici, que je pourrais suivre pour aller jusque là. Mais la lave ici va me tuer, n'est-ce pas? Mais le truc, c'est que ça me tente d'aller ici pour... Pour prendre mes affaires. Oh. Ok, ici on peut se téléporter, n'est-ce pas? Alors, je vais aller ici, ici et ici. Et, ensuite, je vais aller dans la tour ici, découvrir la map. Et là, je vais me re-téléporter ici pour suivre le chemin pour aller là, ok? C'est bon? Et en même temps, je vais me comme confectionner des trucs pour résister à la chaleur de la lave. Comme je vais cuire les lézards. Ouais, c'est bon. Mais en attendant, on va regarder si on n'a pas manqué de quoi. Là-bas, rien du tout, je pense. Je suis sûr qu'il y a de quoi au sommet de cette montagne. C'est juste que c'est un petit peu caché, là. Là-bas, je vois des gemmes. On va voir, c'est pas si grave que ça. Ok. Je crois que c'est tout, hein. Bon, allez, let's go. On y va. Wouhou, super. Oh mon dieu, ça fait tellement du bien. Et André, une araignée, hein. Oh, le maudit gardien, il est dégueulasse en maudito. Là, il y a vraiment beaucoup de feuilles ici, c'est pas incroyable. Mais bon, je savais pas que l'endroit était comme vraiment rempli de montagnes à longueur de journée. Comme montagneuse, montagneuse et montagneuse. C'était crazy en maudito. Et ça, c'est... Est-ce que c'est un relais? Ok, attends, non. Ça peut pas être le domaine de la zone des aurores. No way, non.
Oh, je crois que j'ai vu quelque chose d'intéressant ici. Oui, c'est un relais, ça. Ok, nice. Attendez. Oh. Oh. What's up, baby? Attends, on va te prendre en photo. Chauve-souris de feu. Si je le tue, est-ce qu'il va me donner quelque chose pour résister? Oh, 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 oh. Ok. T'es prêt? Pow! Donne-moi quelque chose qui résiste contre la chaleur. Aile de chauve-souris et... aile de feu. Oh, ok, c'est bon. Donc, j'avais vu ça. Je suis sûr qu'il y a un korogu qui m'attend ici. Ou un korogu. Appelez ça comme vous voulez. Voilà! Yes! Salut, mon petit gars! Comment vas-tu? Nom d'une fête, tu m'as trouvé. Aha! Merci beaucoup. À la revoyure. Ok, c'est bon. Donc, je vais aller... Oh, damn. Ok. Attends. Il faudrait que j'aille là pour aller ici. Ou bien je peux trouver un autre chemin pour y aller. Oh! Oh my god! Donne-moi ton épée. Wow! Voilà. Non! Oh my god. On va faire une contre-attaque. Ah non, non, non. Lui là, on va le tuer. Ah! What the fuck? Attendez, attendez. Il faut que je mange. J'ai essayé de faire une contre-attaque. Mais ça n'a pas marché. Si je mangeais... ça, oh, je vais mourir si je mange que ça. J'ai sûrement de quoi, comme une petite pomme. Ok, ouais. Ça. Et ça. Voilà. Ok. On va réussir notre contre-attaque. C'est bon? Mon timing. Fuck my life. C'est pour ça que je vais pas faire des contre-attaques. Je suis nul en maudito. Peut-être plus tard je vais en faire, mais pas pour l'instant. Ils sont tous dead, hein? Wouh! Ok, c'est bon. Merci pour ces items. Voilà, voilà. Merci, merci. Bon, je devrais peut-être manger. Mais je crois que je vais aller à l'hôtel à la place. Et... oh! Est-ce que c'est... attends, attends, c'est vrai! Mon ennemi avait une épée ou... comme une arme, hein? Est-ce que c'est ça? C'est tombé, hein? Ouais, c'est sûrement ça. Ok, c'est bon. Non, non, non. Ça. Espadon de chevalier. Ah, intéressant. Wow! Où il y a trop de points d'attaque! Une chance que je suis venu ici! Bon, là, je sais que je pourrais suivre ce chemin pour aller dans l'eau, je pense. Ouais, ouais. Non, non, je vais pas aller dans l'eau. Mais bon, en tout cas, on va monter cette montagne, escalader cette montagne. Il y a des petites jambes ici. Non! Je n'ai pas de vie, je vais aller à l'hôtel! Ok, je vais pas prendre ces items, oubliez ça. Mais, je vais prendre ces gemmes. Ok, voilà, j'ai explosé la bombe qui était en bas. Oh non! Non! Ok, c'est bon. Cristal de sel et silex. Ok, perfecto. Bon. Je me suis un petit peu perdu pour être honnête avec vous. Ah, oh, ok, attends. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Ah, t'es bien gentil. Ok, merci beaucoup. Cela veut dire que je peux me suicider. Bon, en tout cas, je vais pas me suicider, vous le savez très bien. Là, ça, c'est quoi? Lézard Ignifus. Oui, j'en ai sûrement besoin plus tard. Là. C'est vraiment dommage que je n'ai pas de... comme... de marteau, des trucs comme ça pour péter ces ors, hein. Mais c'est minerai, j'arrête pas de dire or. Or, c'est en anglais, je suis vraiment désolé. Ah, bon, j'ai rien vu d'intéressant. Oh, mais j'aurais pu aller par en bas pour continuer mon chemin, voyons donc. Champi, piment, c'est pas du tout ce que j'ai besoin. Bon, ouais, je vais juste aller dormir dans l'auberge, là. Mais avant tout, voyons voir ce qu'il y a autour. Rien d'intéressant. Oh, salut toi! Comment vas-tu? Si un jour tu vas aux célèbres sources chaudes du village Goron, fais bien gaffe aux boules de feu sur la route! Ça fait un moment que je suis pas rentré au village, donc je sais pas s'il en tombe encore, mais mieux vaut être prudent. Merci beaucoup, t'es un gros boss, toi! Oh, what's up? Voyageur, salutations, as-tu le cœur pour une chanson? Attends une seconde, cette chose à ta ceinture! Non, ce n'est rien, j'ai dû me tromper. Qui es-tu? Est-ce la première fois que tu rencontres un piaf? Je me nomme Asarim, poète itinérant. Je sillonne le monde en quête d'anciens chants. Connais-tu, mon ami, les vieux chants à propos des combats héroïques pour dompter le fléau? Les vieux chants? Oh. Ces chants louent les héros qui surent par le passé. Après nombre d'épreuves, le fléau terrassé. Quel beau poète! Le plus fameux d'entre eux glorifie le héros qui, il y a 100 ans, a 10 millions, 100 ans, triompha du fléau. Ce chant est à propos du héros du passé. Je le tiens de mon maître. Souhaites-tu l'écouter? Vas-y! Oh. Je te remercie. Ahem.
S'il fait mes louanges, c'est sûr que je vais écouter ça, voyons donc. Royaume florissant depuis l'Antiquité, il a de tout temps contre un fléau, contre un être lutté. J'arrête pas de dire fléau. Semant désolation et mort autour de lui, si maintes fois aussi, toujours il renaquit ce terrible fléau que j'ai pas pu lire le reste. Toutefois, Hyrule naissent aussi des personnes destinées à défendre les domaines royaux. Le noble chevalier à l'âme du héros et la sainte princesse au sang de la déesse pour combattre Ganon en tout temps réapparaissent, c'était ça? Le récit de leur lutte fut compté tant et tant qu'il traversa les âges sous la forme de chants. J'ai vraiment du mal à prononcer le R et le S. Dans les prochains couplets, je vais vous relater comme il y a 10 000 ans, Ganon fut affronté. Vous avez vu? Chaque fois qu'il y a des R et des S, vous allez voir, je vais dire n'importe quoi. Parce que j'arrive pas bien à les prononcer. Il y a quelque chose dans ma bouche qui m'empêche de bien les prononcer. L'Hyrule de jadis, dans la prospérité de ses arts et techniques, approchait l'apogée. Les villes monstres n'étaient pour lui nul danger. Usant de son savoir par des efforts tenaces, le peuple mit au point un puissant armement pour aider la princesse et le héros vaillant. Une armée d'automates fut l'arsenal nouveau qui viendrait assister à sceller le fléau. Créatures divines, ainsi furent nommés quatre colosses ayant d'animaux les aspects. Ah ouais, l'éléphant, la poignée. Des soldats mécaniques qu'on baptisa gardiens de leur arbitre propre attaquait en essaim. Le R, les amis, le R. Des soldats mécaniques, ok, j'ai lu ça déjà, l'ont choisi pour guider les créatures divines, quatre êtres aux facultés telles que nul n'imagine. Créatures divines, gardiens, princesses, héros, tout était réuni pour contrer le fléau. Quand le fléau Ganon enfin ressuscita, il se vit confronté au plus dur des combats. Car ses héréditaires ennemis l'attaquèrent aidés d'une nouvelle puissance militaire. J'adore cette musique. Les gardiens, par leur nombre qui semblait un million, protégeaient le héros et tous ses compagnons. On a vu quelque chose de similaire comme ça lorsqu'on a parlé à Impa, hein? Les créatures divines, redoutables titans, se ruaient sur Ganon de ses forces le sapant. Le héros de l'épée qui repousse le mal acheva Ganon et du pouvoir ancestral qui coulait dans ses veines, la princesse le scella. Mais c'est cool de voir tout ça sous forme de poème. C'est ainsi que s'achève le récit du combat face au fléau Ganon il y a 10 000 ans, puisse-t-il perdurer grâce au vers de ce chant. Quel beau poème! Merci beaucoup de faire mes louanges! Wouh! Il ne sait pas que le héros est juste devant lui. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux m'entendre à nouveau, n'hésite pas à le demander. Et je suis un héros! Allez, come on! Boy! Allez, c'est bon. Donc, salut, boss! Bienvenue au... Ah non, c'est pas là que... C'est pas ici que je vais aller. Attends. Je peux prendre mon cheval, ce qui va être cool. Mais avant tout, je veux aller ici. Parce que si je veux dormir, il faut aller ici. Il prend son temps, oui. Bienvenue! Tu veux te reposer dans notre établissement? Un lit normal? Ok, je vais prendre un lit normal. Je pourrais prendre un lit moelleux. Mais j'ai pas envie. Parce que je sais que je vais perdre les cœurs. Oubliez ça. Quelle belle musique! Bon, j'ai récupéré toutes mes vies. Bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Passe une bonne journée. J'ai juste gaspillé 20 rupies. 20 rubis, alors c'est pas si pire que ça. T'inquiète pour moi? Ah, si seulement moi aussi je pouvais peindre une œuvre comme celle-ci un jour. Hi. Toi aussi, tu es venu voir ce tableau. Personnellement, je pourrais le regarder pendant des heures. C'est vrai que c'est bien fait. D'après ce qu'on m'a dit, c'est Hanzo, le gérant du relais, qui aurait peint ça pendant son temps libre. Tu vois, le majestueux volcan s'est dessiné subtilement en arrière-plan du relais. Il s'agit sans doute d'une vue du relais depuis le sud. Quoi qu'il en soit, c'est une composition vraiment unique. Ok. Oh, il y a un sanctuaire là! Ah ah! D'accord. J'aurais sûrement un item secret, quelque chose comme ça. Toi, qu'est-ce que t'as à dire? Bonjour! D'habitude, les voyageurs qui s'arrêtent au relais des contreforts se rendent au village Goron. C'est ton cas? Oui, c'est bien ça. C'est bien ce que je me disais.
Attends une seconde, tu comptes te rendre au village Goron habillé comme ça? Ben oui, pourquoi? On se demande pourquoi autant de touristes finissent mal. Les falaises abruptes ne sont pas le seul danger là-haut. Passer le deuxième palier, il fait si chaud que tu vas littéralement t'enflammer. Ah, vous avez vu, je peux pas aller là-bas tout de suite. Écoute, je sais que nous ne nous sommes jamais vus, mais j'ai pas envie d'avoir ta mort sur la conscience. Ah, je vous jure, si au moins tu avais des remèdes Ignifus, tu pourrais résister à la chaleur. Je peux t'en vendre si tu veux. Oh! Même les voyageurs les plus aguerris en prennent au moins 3 quand ils se rendent au village Goron. C'est 60 rubis si t'en prends un. Qu'un, je te fais les 2 à 110 rubis et les 3 à 150 rubis. Oh, wow! Toi, t'aimes faire du business, hein? Mais je vais en prendre 3. Voilà. J'ai beaucoup de rubis. Si j'ai vraiment besoin d'argent, je vais aller chasser et vendre ça. Comme vendre la bouffe, c'est correct. Très bien, voici du remède Ignifus. Merci beaucoup. Oh, ça dure 6 minutes et 10? Donc, en tout, c'est 18 minutes et 30. Avec autant de remèdes, tu devrais pouvoir atteindre le village Goron avec, avant d'être complètement cuit. J'avais les lézards avec moi. Je sais que j'aurais pu en faire. Mais je vais les garder au cas où que j'en ai vraiment besoin. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!